Deux témoignages dont la cruauté dépasse les limites de l'entendement. Les interviews que vous allez voir attestent des atrocités qui se sont déroulées au Koweït. The Iraqis said that they were in the resistance and they held their eyes open and put lit cigarettes into their eyes. My name is Nayira and I just came out of Kuwait. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. C'est pas les infirmières, c'est la fille de l'ambassadeur de Washington. Oui. C'est un bon exemple des mensonges qui ont été distillés pendant toute cette période. Le massacre des bébés koweïtiens n'a jamais eu lieu. Mais à l'époque, tout le monde y croit. Nayira, 15 ans, fausse infirmière mais vraie fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, a été coachée par la société de relations publiques Ilan Knowlton. Sa mission, vendre la guerre aux Américains. Une campagne à plus de 10 millions de dollars. L'un des dirigeants de Ilan Knowlton s'appelle Craig Fuller. Il n'est autre que l'ancien chef de cabinet de George Bush lorsqu'il était vice-président. Le chef d'État américain martèle le témoignage de Nayira dans ses discours. Saddam incarne le mal absolu. L'opinion publique occidentale vacille et se range aux côtés des partisans de la guerre. Il n'est pas rare que la propagande serve à convaincre les gens de soutenir certaines décisions. Ce qui est plus inhabituel, c'est de se faire prendre si rapidement. Le 29 novembre 1990, l'ONU vote un ultimatum. Saddam Hussein dispose d'un mois et demi pour retirer ses troupes du Koweït. Françaises, Français, mes chers compatriotes, sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. L'opération, baptisée Desert Storm, tempête du désert, est déclenchée dans la nuit du 16 au 17 janvier 1991. Au 12e jour de guerre, le 29 janvier 1991, le ministre de la Défense français présente sa démission à François Mitterrand. Là, je veux dire, je n'aime plus du tout François Mitterrand. Je lui dis, j'aimerais vous voir, monsieur le président. Je lui dis, voilà, le moment est venu que nous nous séparions. Jean-Pierre Chevènement a rédigé une courte lettre à l'attention du président. Une certaine idée de la République m'amène à vous demander de bien vouloir me décharger des fonctions que vous m'avez fait l'honneur de me confier. La guerre de Golfe m'a éloigné moralement et psychologiquement de lui. Un mois et demi de bombardement. Combien de morts civiles? Aujourd'hui encore, il n'existe pas de bilan précis. Les estimations vont de quelques milliers à 60 000 Irakiens tués.